type Risky Reels, avant-première de film. Rendez-vous à Risky Reels pour un visionnage limité dans le temps. Prepare for Collision, le film vainqueur de l'événement Fortnite blockbuster réalisé par John Tony. Donc on va aller voir un petit peu en préambule ce que cela donne. Alors, Risky Reels, eh ben c'est pile dans la direction. Ouh, la flèche, elle est vérandonnée. Donc, c'est parti. Donc, on va faire une flèche qui nous a conduit là-bas. Enfin, on va aller à la flèche. Après, on va essayer littéralement tout seul, sans rien. Un bon ping de 22, 21, 27. Ouais, ça dépasse pas le 30, c'est super cool. Ouais, c'est un peu du ping. Alors, bon, on plane. J'ai que plané dans le jeu là. Non, il faut peut-être aller dans le. Oh, le panneau il est là. Prepare for collision. Après c'est marqué quoi? J'arrive pas à lire, alors attendez. J'arrive pas à lire. The Misadventure. Oh. At look. At Luke and Salem, the incredible easy. Prepare for the collision. On va aller voir ça.
dirait que c'est Carburo qui a sauvé le monde. Là. J'ai vraiment bien aimé ce petit court-métrage, donc j'ai un peu parti du truc pour éviter de rendre la. J'ai vraiment bien aimé le court-métrage, donc si vous avez compris un petit peu, c'est que c'était Omega en fait qui a enclenché le compte à rebours de la fusée. Et en gros en fait, Carburo pour en empêcher, bah, a détruit. La fusée et ce qui a créé la faille spatio-temporelle que nous voyons actuellement. Donc elle était en bleu, maintenant elle est toute rose. Donc c'est grâce à Carburo en fait que Omega s'y retrouve derrière les barreaux. D'accord, bon bah j'espère en tout cas que vous avez compris un petit peu l'histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et moi je vous dis à tout à l'heure les amis. Ciao ciao tout le monde.